ça. J'étais en train de prendre mon petit-déj et j'ai trouvé qu'il y avait une odeur un peu bizarre. Et là, j'ai trouvé des amis cachés, piégés dans un tunnel. Je vais vous montrer. C'est juste ça. Ça, c'est la sargasse. C'est des algues qu'on a trouvées ici. Malheureusement, j'ai pas pu enlever le deuxième poisson, donc ça va être pour une prochaine émission quand ça ralentit à bord Initiatique. Bonne journée à tout le monde! Il y a de superbes conditions, il fait beau, il fait très chaud et normalement demain on arrive au poteau noir, donc voilà, la course n'est pas terminée, au contraire, c'est super conditions, donc maintenant à moi de m'accrocher et d'essayer de rattraper ce petit groupe de leaders là qui me titille un peu, et voilà, je vais essayer de tout donner pour les recoller d'ici quelques jours ou quelques semaines. Allez, salut, bonne matinée. Bonjour à tous, 10e jour de mer à bord de Groupe Apicil sur ce Vendée Globe. Le 10e jour, c'est un jour important parce que c'est le changement de sac de nourriture. Je m'explique. Voilà. Ici, on a le sac numéro 2. Le sac numéro 2, il contient donc tout ce qui est nourriture de 11 à 20. Par exemple, ici, le sac numéro 12, que je mangerai donc jeudi, et qui contient tout ce que je dois manger dans ma journée. Donc, il y a le petit déjeuner lyophilisé, il y a des fruits secs, il y a les autres repas, etc. Par exemple, ce midi, voilà mon repas, c'est du riz aux légumes. Il me reste encore, moi, quelques fruits qui sont plus très frais, mais qui vont faire du bien de manger. Et puis tout ça finit forcément un jour, hein, dans les toilettes, dans le seau noir que vous voyez là-bas. Et voilà. Voilà, voilà, je vous présente mes copains de voyage. Alors, on a Jeff, Riffy et la reine de la mer qui m'accompagnent pour toute la durée des ces Vendée Globe. Et c'est chouette de les avoir. Franchement, c'est super. Ça a été offert par mes enfants, ses doudous préférés. Et voilà, et je suis heureux de les avoir.